Et salut YouTube! On repart sur Avenide Death. J'y ai joué il n'y a pas très longtemps. Mais pour vous, ça vous fait du contenu supplémentaire sur YouTube. On va essayer d'aller toujours plus loin. Donc on est parti. Si jamais t'apprécies, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai un Tipeee et un Ko-fi, que tous les liens sont disponibles en description, dans le Linktree. Il suffit d'aller chercher juste après, quoi. Et voilà, on est parti. On est déjà à 31 essais. Et on a réussi à finir qu'une seule fois. Yes! Alors, il faut que je vous dise un truc. Je commence à entrevoir justement des petits défauts dans ce jeu, même si je l'adore beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des builds qui... Enfin, il y a peu de builds qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et que le seul que j'avais fait, celui qui était basé uniquement sur la vie, était le meilleur en fait. Donc voilà, j'ai l'impression qu'autrement, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon alors là, on va faire quoi? Bon, je commence petit, hein. Eh, vas-y, je commence petit. Pipirou, pipou, pirou. Celle-là, elle est très bien. Moi, je suis pas très fan des fossiles. Et qu'est-ce que c'est que ça, Patou? C'est mon paprika topinambour, tu en veux? Et c'est enrichi en colorant EV14. T'as pas l'impression de stresser assez comme ça dans le taf, dis? Je sais pas. En fait, je stresse plus quand... Je mange pas ça. Ça me réveille que je pique du nez. C'est le piquant du paprika, ça. T'as qu'à manger des fruits. Ce sera un milliard fois plus sain que de te gaver de ces trucs-là. Je fais la tournée des collègues pour les remettre sur les rails. Quand je reviens, t'as intérêt à avoir changé de régime, Patou. Oui, les colorants... C'est bon les colorants, vous en pensez quoi? En vrai, c'est... j'ai pas besoin d'aller tous les taper. Il rapporte même pas de thunes, hein. Petit café, merci. Alors, sur quoi on va tomber aujourd'hui? Imprégnation gel. C'est pas terrible. Là, y a rien qui est terrible. Obtenir 35% d'infliger une traîtrise, d'accord. Contrepartie, c'est nul. C'est pas terrible! Ouais, pour cet échauffement, je vous avoue que je pense qu'on n'ira pas très loin. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va peut-être augmenter son mana. Le mana max. Allez hop, lui il dégage. Normalement je devrais être bon pour les 75. Oh, je l'avais jamais vu ce... Se frotter les mains comme ça, c'est rigolo. Allez hop, on est à 60. Bien joué! Alors, ben on va aller chercher de l'équipement. Hein. Ouais.
J'ai pas l'impression que ça va être très très fort ce qu'on va voir. Si on arrive à avoir du molard juste après, c'est cool. Mais bon. Je rappelle qu'on est en crise 1, donc du coup les fléaux et les Tanager sont un peu plus puissants. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui n'apparaissait pas. Ah putain, cette attaque à la con. Heureusement que j'avais la petite défense. C'est toujours de la vie, on apprécie, on récupère. What? Oh, c'est très rare que les mains elles arrivent à me choper comme ça. Putain, elle m'a fracassé. Qu'avons-nous? L'Illuminarque. C'est celui qui est téléguidé? Il est amélioré. Ouais, ça traque les ennemis. C'est bien ça. Ça me fait un truc à distance, c'est bien. Bon, on a ça pour aller chercher une malédiction. Je vais être juste en fait. Je crois pas qu'on va le faire. Aïe 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 aïe. J'ai été surpris quand il m'a attrapé. Ok. Bon bah ça c'est fait. On a du soin. Merde, j'aurais dû me soigner avant. Tant pis, voilà, super. C'est gâché. Qu'est-ce qu'on a? Trêve de 4 secondes. Ça c'est... Il faut pas que j'attaque pendant un moment. En vrai, quand t'esquives... 4 secondes, c'est long quand même. Mais après, 250 de bonus. Hein. Allez, on va tenter un truc basé sur l'attaque. Je me ferai jamais toucher. C'est juste pour voir. Pour vous dire si jamais... voilà. Comme je vous disais, j'ai l'impression que moi, ce qui fonctionnait, c'était uniquement le bleu quand j'ai tenté de faire un truc basé sur le vert. C'était pas si fou. Et j'ai pas assez... Ah, c'est un prismium en plus. Oh, ça fait chier. Oh, ça fait chier de passer le magasin pour rien. Je vais pas acheter le prismium. J'ai qu'une seule arme. Donc ouais, bah même le truc bleu poison qu'on a fait, il tenait pas la... Enfin, il tenait la route, mais on s'est fait éclater par Catherine Imamura. Je m'ennuie vraiment beaucoup trop, alors je crois que la prochaine fois que je croise Pump... Tu n'approcheras pas mon stagiaire d'un millimètre. Mais non, mais... Mais petit gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.
J'ai cru que j'étais repassé de l'autre côté juste après qu'il ait fait son attaque. Et pas du tout, hein. Oh là là, non mais qu'est-ce qui se passe? Regarde! Oh non, je vais pas l'avoir. Prochain pas, est-ce clair? Tu risques de souffrir encore plus dans le cas contraire. J'ai fait n'importe quoi contre lui. C'est terrible. Le niveau est exécrable. J'ai failli mourir. J'ai perdu mon anima. J'ai fait n'importe quoi. Alors après, on est le matin. J'ai plus l'habitude de jouer le matin. C'est pas une excuse. Obtenez 15% de chance d'infliger traîtrise. D'accord? Ou obtenez inflation, mais inflation c'est inflige des dégâts bonus aux ennemis en train d'attaquer. Donc 6 attaques. Ouais. Mais il y a ça. Vu qu'on a déjà on a commencé à faire de la traîtrise, autant continuer dans la traîtrise. J'ai deux équipements qui font traîtrise. Voilà, on va dire. On est bien. Alors par contre, je suis vraiment dégoûté d'avoir raté le magasin. Soin pur de 50, ouais. Est-ce que je peux le remplir? J'ai pas utilisé. Ok. Voilà, comme ça, j'ai plus de thunes. Au moins, ça me sert à quelque chose. On va dépenser quelque chose ici, bien sûr. Jackpot! Ah non, j'aurais pu me soigner gratuitement. Oh, c'est triste. C'est très triste ce qui s'est passé. Bah du coup, en fait, nous, il faut qu'on aille ici si on essaye d'obtenir du rouge. Mince, j'ai même pas lu ce qu'il disait. Oh, je suis complètement à la ramasse. J'ai même pas cherché à lire ce qu'il disait. Ok, on s'augmente nos PV max, c'est très bien. Il permet d'aller les avoir de super loin quand même, hein, l'arc. Il est quand même vachement bien. J'ai eu peur. Il était en train de se tourner, donc je pense... Ouais. Oh merde. Miam miam miam. Je mange des frites. C'est quoi ça? Chaussures de Gérard. Je prends. Ah, il devait y avoir une histoire avec les chaussures de Gérard. Oh non. Bon bah là on est obligé d'aller là. Là nous n'avons pas le choix les amis. On n'a aucune malédiction. Enfin on n'a pas beaucoup de malédiction pour le moment. Il faut qu'on aille chercher un maximum.
Ah, trop proche. Boum! Et ça c'est quoi? Laurentia! Piquer l'ennemi d'un combo de 3 coups. Vas-y. Ah, c'est la lance, elle est trop puissante. Par contre, elle a une utilisation. Ok, il va falloir que je... Si je trouve des trucs pour augmenter l'utilisation de... Le nombre de munitions, tout ça, ça peut être intéressant. La cape inflige 25% de dégâts bonus. La faux inflige 50% de dégâts de moins. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, même si du coup, on passe... Oh, les flèches, elles font vachement mal, en fait, je suis en train de me rendre compte. Elle fait 147. Ouais, quand même, c'est pour ça que ça fait super mal. Ouais, mais non, là, je peux pas... La faux, elle repasse à 18. Non, elle fait trop de dégâts, je peux pas. Par contre, je peux peut-être aller chercher du poison. Ça, c'est pas mal, avec l'arc et tout. Ouais, le poison. Moi, j'adore le poison, vous devriez le savoir. Voilà, on va prendre ça. La lance, il faut bien mettre le coup. Je pense que là, techniquement, on a quelque chose qui est très intéressant. Ah, par contre, ça fait chier. Je vais peut-être aller chercher au service relance malédiction. Comme ça, on aura peut-être quelque chose d'intéressant. Si jamais on a rien qui nous intéresse dans une malédiction, on pourra toujours relancer. J'oublie l'or. Massacre. Le massacre est total. Hein. On l'a eu du coup là-haut. Apparemment on l'a eu. Ah merde, mais c'est pas du tout au secours. Ça s'est très mal enchaîné les deux là. Oh, je suis ralenti. C'est pas cool. Je sais même pas ce que j'ai ramassé. Après je me dis, tout ce que je ramasse, c'est forcément bien. On a récupéré deux, très bien. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va aller chercher Gorsk et on va essayer de pas se faire surprendre par lui parce qu'hier, j'ai vraiment fait n'importe quoi avec lui. Ça c'est bien. Oh là! Thune! C'est bon, j'ai rien raté. Oh, c'est trop puissant ça!
Bon, là, il fait rien du tout. Il a rien fait du tout. Il a tellement rien fait. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas eu le temps ou parce qu'on faisait trop de dégâts. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça sert à rien de se soigner, de gâcher un truc pour ça. Alors, Arsenal Sinistre inflige 35% de dégâts bonus. Les soins sont moins efficaces. Ah, mais ça va pas du tout. Alors, les sorts infligent 4 de bonus. Non, ça me sert à rien. Non, faut pas que je parte. Attendez. Parce que là, on est parti là-dessus. Oh non, il me le repropose. Oh non. Obtenez un bonus de dégâts équivalent à 7% de... Mais dans quel cas? Ouais, non, bon, bah tant pis. Hein. Ça fait plus de poison. Ah... Ouais, mais alors peut-être qu'on aura des trucs de soins plus intéressants. Je me dis ça. On va essayer de faire mi-rouge, mi-bleu. Peut-être aller chercher des trucs de soins qui peuvent être intéressants. J'y crois pas trop, mais bon. Oh, un café. Merci. C'est un peu dommage ce qui se passe. Je sais pas quoi aller faire. Si on fait étage hasardeux, est-ce qu'il y a un monde où on peut trouver une malédiction? Je n'en sais absolument rien. Parce que j'imagine que étage hasardeux, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a combien de chances que ce soit une malédiction? Merde. Oh, je l'ai atomisé! Oh, le burger, il a rien eu le temps de faire. On l'a vu et après on l'a plus vu. Après il était mort. Pas un truc ici non? Non, j'ai cru. J'ai cru! Merci le café. Je prends ce café. Si on me donne un café, je prends le café. Je pense que j'arriverai pas à l'ouvrir. Ok, si je fais vers le haut... C'est rigolo ça, si je fais vers le haut, je tire 3 flèches. Et ça me le compte que comme une. C'est rigolo ça, ça fait un coup de pompe. Qu'est-ce qu'on a trouvé du coup? Oh bah un prismium. Ok. Bah c'est bien pour l'atelier. On va pas se plaindre hein. C'est même très très bien. Alors, on peut aller au local technique. Mais on peut aussi tenter... Ouais, non, on va aller au local technique, c'est peut-être plus intéressant. Là, on a un prismium. On va augmenter notre faux. Elle va faire plus de dégâts. Déjà qu'on est pas mal, je trouve, en termes de dégâts, là, pour le moment, avec toutes les attaques qu'on a. Il manque du swing. Ça, j'avoue. Alors... Déjà, on va la transformer. On va la transformer comme ceci pour... On peut faire de la foudre. Voilà. Déjà, bing. Bing. Oh, ça fait mal aussi. Hein. Mais ça, du coup... Elle fait vachement mal, là. Je comprends pas qu'elle soit aussi haute. Elle a toujours fait autant de dégâts. Ça, par contre, c'est rigolo, mais quand tu l'augmentes, ça fait moins de dégâts. Pourquoi? Mais par contre, les munitions augmentent. On passe à 5 charges. Mais ça fait... On passe de 147 à 137. Je pense qu'il y a un problème dans leur truc. Non mais de toute façon, on va faire ça. Voilà. Là, on a beaucoup plus de dégâts. On est content. On va augmenter ça aussi. Voilà, le combo au sol inflige 25% de dégâts bonus. Bien sûr.
voilà, on est bon là. On est pas mal, on est pas mal. Waldo! Bon, problème de Waldo, c'est qu'il est chiant. Et que je me fais avoir comme une merde à chaque fois. Alors, ça doit faire au moins 5 fois que j'écrase Gorsk. Oui, oui, et pour toi? Je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Allez, envoie ta chanson débile et qu'on en finisse. Titi, tortue ninja, burger ninja, tortue ninja, burger ninja, kawabunga, les ninjas. Mais en plus, c'est des pizzas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il mange des pizzas, pas des burgers. Envie de tout casser. Oh là là, ça commence. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, c'est bon. Heureusement que le truc de la traîtrise fonctionne très très bien là. En fait, non, silence, pas de chanson. Vous ne m'avez même pas laissé finir le refrain. Eh bien, comme nom d'une chose, dorénavant, dès que ton programme te dicte de me chanter quelque chose, tu écrases ou bien je t'écrase, c'est compris? Ok, bon, on s'en est bien sorti. Ok, et du coup je pense qu'on va... Alors déjà on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on nous propose? Obtenir... Ah oui, bah ça, ça n'a pas bougé. Obtenir un emplacement supplémentaire, la cape obtient 25% de temps de recharge. Ah, en vrai, ça c'est extrêmement bien. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire plus souvent mes attaques avec... J'avoue que ça c'est pas mal. Le temps est pas ouf, mais je prends... Le seul truc intéressant, le truc rouge était pas super super intéressant. Hop là. Hop là. Ok. Bon. Jusque là, ça s'est bien passé. Espérons que cela continue, bien sûr. Oh, j'ai plus assez de thunes, quoi. Ah, eh bien, là voilà votre chaussure gauche, vous devriez être soulagé. Ouais, sauf que non, boss, cette pompe, elle ressemble en tout point à la mienne. Même couleur, même semelle, tout ça. Mais c'est plus du cuir, c'est du cheddar. Et je n'explique même pas comment on peut faire de la cordonnerie aussi bien fichue avec du fromage. Parfois, Dead Sync ne fait pas exactement tout ce qu'on attend d'elle. C'est la contrepartie de diriger une aussi grande entreprise. Eh bah dans ce cas, j'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je relance la tendance sandalette chaussette. Sinon, on verra en dommages et intérêts pour me rembourser ma godasse. Mais Gérard... Alors, est-ce que j'ai de la chance? Bon, c'est pas cette chance-là à laquelle je m'attendais, mais... C'est bien. Alors... je pense qu'il faut qu'on aille dans le département des maladies physiques pour l'amélioration des prochaines malédictions rouges. Hein. Puisque là, nous, de toute façon, nous n'avons que des... Attendez, c'est un sort, la lance? J'ai un doute. Non, non, c'est la cape. C'est bien la cape. Allez, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est quoi? Cadeau empoisonné. Catapulté de boules de venin concentré. Non, mais arrêtez avec le poison! Mon build, il est bien. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter.
Eh ben non, là, attends, je retourne. Ouh là là, les pop pop pop. Mince, ça fait. Je suis perdu. Pour le moment, tout va bien. C'est étonnant que tout aille aussi bien. Ah ouais, c'est quand même vachement mieux. Là, la recharge, je la vois. Ok, cool. Hop là, on a nos petits bonus. Bien sûr. Oh, en vrai, on peut aller se chercher plus de soins. Comme ça, je crains pas de me soigner. Surtout que là, on manque un peu de soins. Et gagougou ! J'ai quand même une sacrée attaque avec la lance. Est-ce que ça va l'avoir? Oh ouais! Non mais le poison aussi, incroyable. J'ai failli rater toutes mes attaques. Non, non, trop bing. Eh hey, mais la flèche, elle fait tellement de dégâts! Du coup, j'en vigne. Merde, c'était pas fini leur attaque. Qu'est-ce qu'on me propose? Une explosion. Ouais, mais non. Ah, il n'y en a qu'un seul. Oh non, c'est triste. Je pensais en avoir au moins 3. Bon. Et en plus, je viens de le gâcher. Donc, on va aller ici. On espère toujours soit trouver quelque chose qui améliore nos dégâts, soit quelque chose qui nous permet d'améliorer nos soins. Voilà, ça va être ça. On fait mi-rouge, mi-bleu. Je pense qu'on sera pas mal. En plus, j'ai pas regardé, mais là, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de malédiction avant d'arriver niveau 5. Donc en soi, par contre, niveau 5 et 6, c'est blindé. C'est blindé. J'ai oublié c'est qui. Est-ce que c'est Andy Bull, celui qu'on affronte ici? Le boss. Parce que si c'est le cas, je pense qu'on devrait le passer assez facilement, non? Enfin, je veux pas m'avancer. Mais normalement, enfin, je l'ai affronté un certain nombre de fois. J'ai pas encore perdu parce qu'en fait, il faut toujours rester derrière lui. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Il y a quelque chose ici, non? Oui, il y a un passage. Oh non! Oh, j'espérais vraiment qu'il y ait du soin. Ah non! J'ai plus d'amis. C'est mon gros problème. Merde. Il est bloqué. Il était bloqué. Ok, déjà fait tout ça, très bien, donc faut aller là.
je l'ai pas. Je suis resté devant lui comme une merde. Je sais pas ce que je cherche à faire. Et voilà, et en plus j'ai pas de soins, voilà, super. Ah, merci, hein. Suffit de crier pour avoir du swing. Alors, du soin ou... Oh putain. Ah, vraiment, on n'a pas de chance, là. Hein. Je peux pas prendre ça, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Et ça reste bloqué là-dessus, c'est terrible. Ça, c'est pas intéressant. On va gagner un solari par ennemi. Ça va nous faire quoi? Plus d'argent. Ben, je vais prendre ça, hein. Je vais prendre ça, je me vois pas. Enfin, je peux pas baisser ma quantité de soins, déjà que j'en ai pas beaucoup. Hein. Ça me soigne moins bien. Hein. Quel est l'intérêt? Bon, bah, étage hasardeux. Hein. Franchement, le hasard, c'est pas très cool, là, sur cette session. C'est donc un des gros trucs que je reproche à ce jeu. Comme je vous disais, il y a des builds qui sont pas forcément très très ouf. Il y en a pas beaucoup qui permettent de faire des trucs de dingue. Et aussi, je trouve que le hasard parfois est pas ouf non plus dans l'enchaînement. J'ai l'impression que si on le compare par exemple à Hades, évidemment je compare au meilleur truc, hein, bien sûr c'est important de comparer ça au meilleur truc. Mais si tu compares ça à Hades, je pense que t'as plus de chances de finir les runs parce qu'elles vont être plus équilibrées. Donc même si une run elle commence un petit peu de façon galère, il y a peut-être plus de chances d'y arriver. Enfin en tout cas je me rendais compte que quand tu commences à maîtriser un peu le jeu, il y a moyen de faire des trucs quoi. Là ici j'ai l'impression que si tu démarres mal et si t'as pas de chance, c'est fini. D'y avoir plein de trucs ici ou pas. Là, j'ai fait passer à côté de ça. Est-ce que je suis allé chercher tout le reste? Oui, tout le reste, j'étais allé le chercher. Bim bim bing. Bon, du coup, il me reste... Il y a l'air d'y avoir quelque chose au-dessus, là. Attends, il est mort comment, lui? Ah, il y a du Solari, ici. Et là, il n'y en a plus. Les papillons mortels, en vrai, c'était peut-être le meilleur truc. Et on a encore un prismium. Alors ça, par contre, deux prismiums comme ça, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que j'en fous du prismium? Bah on va aller voir lui, hein. Toujours plus de risques. Ah, je l'aime pas, lui. Attendez, c'est lequel? Est-ce que c'est la grosse abeille? Je sais plus si c'est lui. Si c'est le cas, est-ce que j'ai de quoi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Les ennemis? On peut pas aller plus vite. C'est dommage. Ah, il nous en manque plein! Ah ouais, c'est lui! Oh! C'est un moustique, oui, c'est un moustique.
qu'est-ce que je fous? Allez, ça dégage. Il a pas beaucoup de vie en général. Ça, je me souviens. C'est le seul truc, c'est qu'il a pas beaucoup de vie. Ok, du swing. C'est bien. Alors, obtenez 100% de chance d'infliger une traîtrise. Donc, chaque coup, ça fait plus 40 de dégâts quand même. Élimination de fléau vous octroie 40% de régénération, ça on s'en fout. Par contre, de la défense, en vrai, vous savez quoi, en vrai, de la défense, et c'est chiant parce que là, on me propose les deux. Je pense que je vais partir sur un peu de défense parce que, quitte à pas avoir de soins, autant prendre moins de dégâts. Je pense que c'est le truc le plus intéressant. On fait déjà pas mal de dégâts. Je suis pas sûr que ça soit très très utile d'augmenter encore plus nos dégâts. Je préfère équilibrer. Est-ce que ce sera le bon move? Je ne sais pas, bien sûr. Et par contre, on va où, là? Locale technique, hein? Oh putain, mais le magasin, je peux peut-être tomber sur une nouvelle malédiction. Allez, magasin. Magasin! Je passerai local technique la prochaine fois. Cite-moi qu'il y a une malédiction. J'ai quelque chose à revendre? Non. Yeah! Alors, on va acheter ça, tout de suite. Bien sûr. Non, ils me l'ont pas gardé, ils me l'ont pas gardé, non! 5% de chance d'obtenir un Soulari. C'est quoi imprégnation? Applique un effet en attaquant. Par contre, c'est encore mieux que celui de tout à l'heure, en vrai. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on tape, on a une chance, on a 5% de chance d'obtenir un Soulari. En vrai, on va prendre ça, hein. L'autre c'est non. L'autre c'est non, je vous l'ai dit. On va prendre ça. Voilà. Très bien. Et on peut débloquer un emplacement supplémentaire dans le magasin. Oh, il y a une grande tasse de café. Oh, il y a plein de trucs. C'est toujours dans les vieilles urnes qu'on trouve les meilleures cendres. Plus 15 PV max. Waouh, l'Eternita Arabica, j'étais pas prêt. Oh, par contre, on a une autre. On peut en prendre une autre. Allez. Qu'est-ce qu'on obtient? Élimination. Inflige 5 dégâts bonus, déclenche un effet en tuant un ennemi. Ok, donc quand je tue quelqu'un, j'obtiens plus 5 pendant 6 secondes. Bah, faut être rapide, quoi. C'est la fureur. Allez, hop, je prends. Ça nous fait toujours avancer dans notre délire. Et pour. Voilà, on a plus de thunes. C'est du soin pur. Voilà! Comme ça, on garde nos animaux. Ok, je pense que là, le magasin était vraiment très bien. J'aurais préféré prendre, je pense, l'Arabica Eternica, qui avait l'air très très cool. Mais bon. Oui, c'est bien c'est bien lui. Là, ce qu'on a fait, c'est très bien. On a eu deux malédictions en un seul passage de magasin. Oh! Pumpkin! Nanana, oh patron, oh dites, vous avez l'air tout colère. J'appréhende Queen, je m'inquiète, qu'est-ce que tu comptes faire ici là maintenant? On prépare la petite sirène avec les collègues, et là j'ai proposé d'aller demander à Monsieur Bulle. Stop, je t'arrête, je suis au courant, pas question que tu ailles demander ça à Bulle, ça va, créer des problèmes. Oh mais patron, pourquoi? J'attends cet événement avec impatience, j'ai pris des cours de chant exprès, et Madame de la Révérence m'a fait un costume trop joli, ce serait trop triste de s'arrêter maintenant. Pas la peine de prendre ces yeux-là. Je vais aller lui demander. Je prends en charge les entretiens avec les fléaux, Queen. Occupe-toi de tes autres tâches. Je protège beaucoup Queen, mais en même temps, regardez comment elle est trop choupie. Comédie musicale de retardement tour, de question que je participe à cette mascarade. Je ne suis pas un crabe, je suis le cancer. Dites-le à vos employés de mort, je les conchis. Ah, c'est la représentation du cancer. Ok, la rumeur s'est propagée plus vite que je le pensais. C'est un peu ironique pour la situation. Cependant, je déteste qu'on insulte mes employés. Tu le sais, tu connais donc les conséquences. OMG! Alors là... Non mais sérieux! Tout ça parce que j'ai dit que...
C'est tout ! Non ! Non ! Ok, j'ai failli mourir. Mais je ne suis pas, je suis autre chose qu'un sidekick, je vois meilleur rôle. Oula, ne me relance pas sur tes responsabilités de fléau, Andy. Comme des musicales ou pas, un peu d'ordre ici serait bienvenu. Et que je ne t'entende plus pester contre une vérole. Comme une vérole. J'ai eu tellement peur, tout ça parce que j'ai dit qu'en général ça se passait bien contre lui. J'ai pris des coups de malade. Oh là là, la dingue. Mais par contre, heureusement qu'on avait les deux de défense, bien sûr. Allez hop. Par contre, faut se soigner là. Comment je vais faire? Je pense que ça va être un peu catastrophique cette fin. Ah, c'est dommage, on était bien parti une fois de plus. Y'a quoi? Bon, c'est mieux que rien. Regardez, hop, je prends. Hop, je joue. Et je perds tout. Oh merde, j'ai vraiment tout perdu. Fais chier. Allez. En vrai, vous savez quoi? Faut que j'aille affronter Imamura. Oh, je suis dégoûté. C'est terrible. Salut. Tout le monde a bien pris son petit tube d'écran solaire, sa petite bouteille d'animaline. Attention, hein, comme je vous l'ai expliqué dans l'ascenseur, si vous ne badigeonnez pas de crème ni ne vous hydratez pas, la section incendie du département va vous transformer en galette bretonne. Vous noterez la nuance d'ailleurs, sous forme de galette, vous conservez un peu de consistance, les personnes à la peau rugueuse gardent cette spécificité. Et observez un phénomène rarissime dans l'entreprise, elles se déplacent en troupeau. Ok. Oh, c'est rigolo ça. C'est bien parce qu'il m'indique où sont les prochains les papillons, c'est trop bien. Qu'on veut faire. Oh oui, je prends. Il va me falloir vraiment beaucoup. Oh non, c'est celui qui se transforme en gros pépère. Et voilà. Yagagagaou ! Il est mort ? Il est mort, j'ai tué. J'ai tué, c'était fun. Mais regardez à quel point mon truc il est puissant. Avec les papillons de l'enfer là. Oh my god. Donc ça on éteint comme ça. Ça on récupère bien sûr. Putain, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. OMG. J'arrive à aller jusqu'ici. Avec les trucs antiques. Alors, il n'y en avait pas tant que ça. Oh tiens, de l'anima, on va aller en chercher. On va aller en chercher. D'une question de vie ou de mort.
Donc il doit encore y avoir un monde que je ne connais pas, puisque du coup il me manque des... Il me manque des ennemis. Dans mon petit glosser. Allez, ça c'est fait. Oh mince, c'est 15. C'est 15, ça va servir à rien, et ouais. Mais non, mais les cafés là! Les cafés! La mention me sert à rien pour le moment. Faut pas que je me soigne parce qu'on va récupérer peut-être des animadorés. Animadorés. J'ai failli m'en prendre. Ah, ils s'appellent les Norages. Ah, c'est eux les Norages. Ok. Ok. On va pouvoir peut-être remonter un peu. Ah, il y a un magasin déjà. En vrai, peut-être le plus intéressant, je peux peut-être avoir une nouvelle malédiction, peut-être du soin. J'ai envie d'aller tester. Oh, il y a un gros truc aussi. Il y a une malédiction. Il y a bien une malédiction. Alors ça, c'est quoi? Animaline, nanana, c'est deux charges, d'accord, il y a ça. Encrier, Pitbook raffole de cette essence, de quoi faire pleuvoir les sorts. Ok, mais comme je ne suis pas du tout sur les sorts, on va partir là-dessus. Du soin, s'il vous plaît. Infliger 35%, nananana. L'arsenal sinistre obtient 15% de chance de critique. 200% de dégâts, mais avec un malus. En... Non, non, ça pas, non, 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 non. Ah, ça fait chier, il y a des trucs intéressants. Ça, ça c'est bien, hein. Ça, c'est très, très bien, hein. Je pense qu'on va, on va essayer d'être... Ouais. Alors, non. Le prix de la première amélioration augmente de 50%. Ok, ben, je suis même pas sûr de pouvoir y retourner. Donc voilà. Comme ça, super. C'est super l'après-midi. Bon, faut un peu que je me soigne quand même. Ça va être compliqué. Oh, Sinostrosirus. Ah bah, il y a le local technique. Et là, j'avoue qu'on est vraiment mi-bleu, mi-rouge, là, non? Quand on regarde les améliorations. Ah ouais, 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 on est vraiment mi-bleu, mi-rouge. Je crois que j'ai jamais fait autant, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, bah ça l'a détruit. Ok, bon. Ouais, j'hésite à partir avec un peu plus de vie, hein, tant pis. Hein. Waouh ! Et c'est quoi ça ? Oh là là, c'est trop grave. J'ai plus de soin. Non, c'était pas celui-là que je devais faire. Oh là là, c'est trop dur. Ah, oh, c'est trop dur. Débloque un ascenseur qui va directement au bureau de Monsieur Bull ou de Max. Bah ouais, mais... C'est-à-dire que tu t'augmentes pas avant, tu vas directement les affronter, mais c'est trop dur. T'as pas d'amélioration et tout. Ça, je comprends pas non plus. Ça, je ne comprends pas non plus. Ok, très bien. Tu es sans malabar. Donc ça, on peut aller chercher. Rayon perforant, tu es trois fois en 10 bulles. Ok.
plat, tue 3 fois Denzel King, tuer 1000 ennemis. Ah ouais, les 25 ennemis avec un marteau. Ça, j'ai jamais récupéré. Oh, les culériques, on est bientôt. Hein. Pareil pour les boomers. Par contre, Max, c'est vrai que je l'ai jamais vraiment rencontré. Enfin, je l'ai rencontré, jamais battu. Il faut le tuer 5 fois, Max. Ça peut être intéressant, justement, l'ascenseur pour ça uniquement, de se dire on y va, on le défonce, mais par contre, c'est-à-dire que tu commences sans rien, quoi. T'es à poil. Regardez, on va, je vais vous montrer. Hein. Donc là, on va dire, allez hop, du nouveau chez Régis, on va prendre ça, très bien, super. C'est juste pour vous montrer. Hein. On va changer notre faux. Putain, faut vraiment avoir confiance. Hein. Hop là, on va prendre la doublette. Hop là, et donc là, on va ici, et on va directement voir Max. Et donc, on n'a aucune amélioration. On arrive à poil. Yes. On a de la vie, quand même. Il nous donne de la vie, et il nous donne le croisé-fluve. Mais à part ça, on est à poil. Comment tu vas affronter? Oh, pauvre, pauvre Heisenberg, il était si rigolo. Ce n'est pas dans les compétences d'un chimiste d'entreprise de me chercher des problèmes. Pourtant, la violence est un excellent divertissement. Regardez, je lui fais rien. Quel est l'intérêt? Ça n'a aucun intérêt, regardez, je me fais défoncer. J'ai pris 2 coups. J'ai pris 2 coups. Voilà, c'est fini. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas, vraiment. Je comprends pas cet ascenseur pour aller se faire fumer la tête comme ça. Ça n'a aucun intérêt. On a rien. Je n'ai pas de défense, je n'ai pas d'attaque, je n'ai pas de bonus. Ouais, pas compris. C'est très bizarre d'avoir fait ces ascenseurs. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non, toujours pas. Je vais bientôt y arriver à celui-là, finalement. Mais en fait, je pourrais pas l'acheter. Ah si, d'accord, la seule... Oui, c'est si je finis le jeu une deuxième fois... Oui, d'accord, ok. Putain, j'arrive pas à le finir en crise 1. C'est nul. Allez, moi, je prends tout, merci, bonjour, bonsoir. Ok. J'ai pas récupéré du poison, hein. Même pas ce que j'ai récupéré. Qu'ai-je récupéré? Oh, attends, c'est quoi cette attaque? Rayon perforant. Wow! Excellent tout ça! Rayon perforant, les faisceaux déploient tout autour de vous en suivant un cercle et le cadeau empoisonné. Deux. Ok. Wow! Ça fait longtemps que j'ai pas pris celle-là. Ok. On peut pas le diriger par contre. Ah, ça me consomme tout. Hein. Mais tu te fiches de ma patou, un bocal à cookies. Autant carrément t'installer une perfusion au beurre salé, le boulot sera plus vite fait, aussi mal fait. Ah mais non, tu te trompes complètement, j'ai exactement fait ce que tu voulais. J'ai cuisiné ces cookies au raisin sec moi-même. Ah, des raisins, très bonne idée, tu me rassures. C'est très sain le raisin sec. Oui, bon par contre j'ai...
J'ai goûté et c'était vraiment pas terrible. Alors je me suis dit que ce serait mieux si je sculptais du chocolat en forme de raisin. Et donc ils sont excellents maintenant. Prépare ton short demain matin, 7h15. La séance de CrossFit Apocalypse, pas négociable. Ok. Ah oui, mince, c'est vrai, c'est celle-ci. Ah, c'était les guidés. Bon, du coup, on va jouer sort, puisqu'on a des sorts. Je vois pas ce qu'on peut jouer d'autre, là. Ça a l'air de faire quand même très mal, hein. Ça fait combien? Ça fait 12. 12 d'attaque. Les faisceaux se déploient tout autour de vous en suivant un cercle. Ça, c'est l'ultime. Allez, on va jouer sur... Obtenez 20 de mana max. C'est pas mal, ça. Raffinement arcanique, qu'est-ce que c'est? Inflige des dégâts après 5 cumuls. Applique un effet quand une faux une arme de cap touche un ennemi. Ok. Bah non, mais là, on doit jouer mana. On a plein de sorts. On a plein de sorts qui consomment beaucoup. Ça, c'est 50, ça, c'est 10. Donc là, désormais... Ça, je peux le faire plein de fois. Lancer du poison comme ça, c'est très rigolo. Pouet, on va aller là. Question que je me pose, c'est est-ce qu'il va me falloir encore 20 essais pour arriver à la fin? On peut les envoyer en haut, ça? Non. Augmenter nos PV, bien joué à nous. Baliloulou. Oh, Pumpkin! Je vous ai déjà dit que j'étais fan de Pumpkin. Attends, il y avait quelqu'un ici? Non. Contre un boss, ça fait quoi? C'est quand même puissant l'attaque là. Elle est quand même sacrément puissante, hein. Y a pas à dire, c'est puissant. Alors, on peut régénérer plus vite. Alors ça, c'est pas utile du coup, puisqu'on n'a pas d'attaque de cap, mais par contre, on a ça. Étincelle de vie. Vous savez quoi? Je vais jouer bleu et vert cette fois. Élimination infligée, mais ça, c'est bien, hein. Quand on élimine quelqu'un, ça régénère plus vite le mana. Non, mais je vais prendre ça. Hein. Tiens, ce qu'il y a des max, bien sûr. Hein. J'adore cette attaque.
Le fait de ramener les ennemis par contre avec ce pouvoir, c'est pas top. Parce que du coup, mon poison, il est pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Parce que je ramène les ennemis à moi avec la faux filante. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on va chercher du prismium. Objectif, 2 prismium avant d'arriver au local technique. Ce qui va être quasiment impossible. Hein. Bonjour! C'est la faucheuse. Allez! Oh, un café! Merci! Merci pour le café, c'était très bon! Merci! Bon, on a les 75 pour... Merci. On a les 75... Ah non, on est à 74, mince. J'ai pas compté. Toujours pas les 75. Oh non, je pensais qu'on aurait les 75, on est à 74, tu te fous de ma gueule. Personne qui veut me donner du Solari là? Merci quand même. Je sais même plus c'était quoi le niveau on devait aller. Ah oui, du prismium, j'avais déjà oublié, je me demandais pourquoi on était là. Bon, j'avoue que le poison, je vais peut-être le changer. Hein. Le cadeau, il est pas si ouf que ça. Hein. Je pense que désormais, en fait, ce qu'il me faut, c'est des attaques dévastatrices dès le départ. Hein. Ça n'a aucun intérêt, sinon. Ok, on a une malédiction, ça c'est bien. J'hésite à augmenter, du coup, dès maintenant, le magasin. Projet des corbeaux, la ruée obtient 25% de temps de charge. La charge. L'aiguille est là, hein ? Oui. Oui, on s'en fout. Ok. Bah, je pense que je vais faire ça. Bon, je pourrais pas acheter ça, mais du coup, on aura quelque chose de mieux. Si fort qu'il soigne tout, mais gare au mot de tête, soin pur de 100 PV, ça c'est bien. Ça augmente les PV. Ça coûte combien? 55 en vrai. Et on pourra acheter plus de malédictions. Donc peut-être. Bon, on est obligé de faire un passage par le local. Le local technique. Mais peut-être on va se concentrer sur le magasin. Parce que si on peut obtenir plus de choses intéressantes. Mais au fait, qui c'est le patron? Ah mince, mais ça il a déjà dit. Oh non, je lui rentre dedans, c'est terrible.
J'ai absolument rien fait. Je lui ai envoyé juste des tirs et il a tout pris. Allez, ça on l'avait déjà eu. Attends, c'est normal, le Brad, on l'a croisé tellement de fois. Alors, qu'avons-nous ? Survivez à une attaque létale si vous avez plus d'un PV ne se déclenche qu'une seule fois par partie. L'effet périodique obtient 25% de recharge. De temps de recharge, mais pour... Les arènes rapportent, on s'en fout. Trêve de 1, votre prochain lanceur projette. C'est pas terrible hein, ce qu'on me donne. Hein. Obtenez plus 1 de... Quand c'est quoi ? À chaque attaque subie, j'obtiens plus de mana. Ouais, en vrai, pourquoi pas, hein. Y a rien qui était vraiment intéressant, mais j'avoue que j'ai jamais joué avec beaucoup de mana. Là, j'ai tendance à me prendre beaucoup de coups. Donc autant faire ça, quoi. Après, c'est faux, hein. Depuis ce matin, j'ai pas l'impression d'avoir pris trop de coups dans la gorge. Ce qui est bien, c'est que là, on est à fond. Et je vais pas jouer une dorée, quand même. Hey, je ne jouerai rien, bien sûr. Alors, on va aller... Bah ici on va aller voir, on va aller dire bonjour à Gudrun. Voilà. Allons dire bonjour à Monsieur Gudrun. Georges Gudrun. J'avoue que là je sens qu'on fait pas très très mal. Bon bah je me suis fait toucher deux fois. Oh mince, il y avait une anima. C'est drôle. Pipou. Pipou. Daddy-doo, daddy-doo, daddy-doo. Est-ce que je fais exprès de prendre des coups? Un peu quand même. Au moment où ce sera pas fait exprès. Ah attends, s'il me touche comme ça alors que j'ai le bouclier. Ça marche ou pas? Oui, ça marche! Excellent! Ok. Dès que j'ai un bouclier, je me fais toucher. Leur truc. J'avoue qu'on est déjà à 75. On est déjà à 75. OMG. Ça continue d'augmenter. On va être très très fort. Obtenez 25% de régénération de mana. D'accord. Élimination, obtenez un Solari. J'avoue que... Est-ce qu'on fait pas un truc où quand on se prend des dégâts, on récupère du mana, quand on tue... On gagne de la thune. En vrai, ça fait quoi? Ça va faire 30 balles par ascenseur. Bon, pas là, évidemment, parce que voilà. Oh, le RJ Baron, ça fait longtemps. Est-ce que je vais mourir contre lui? Oui.
Est-ce que... Attendez, je confonds peut-être les personnages. Le baron, c'est lequel? Est-ce que c'est le gros dégueulasse dans son tuyau d'égout? Peut-être. Donc là, on gagne plus de thunes. On gagne minimum 1. Ah oui, c'est lui. Bordel, c'est pas possible d'être aussi nul! Je suis trop nul! Je suis trop nul! Oh là là! Je suis trop nul! Oh, je suis tellement à chier, je me suis fait exploser comme une merde! Oh, c'est trop grave! Je connaissais pas cette attaque, je pensais pas qu'il pouvait faire ça. Oh, je suis vraiment... Énorme bouse! Oh non, c'est dommage, on avait quelque chose de bien, là! Ça te dégoûte. Par contre, toi, casse-toi, attendez deux secondes. Oh, merci. Ça te dégoûte. Bon, je pense que je m'en fais une petite dernière. Évidemment, selon la convention de la DER... C'est si on meurt contre Brad ou qu'on meurt au niveau 1, on recommence, hein, bien sûr. Après, on doit laisser un anima, d'accord. Ou plus 15, ouais, vas-y, on va prendre plus de vie, et puis... Oh! Attendez. On récupère 30 de vie. Bon, il faut que j'aille tuer... Pas trompé dans les contrats. Tu es entre 30 ennemis en moins de 2 minutes, sinon on prend... Ah oui, on par contre, pour les gagner... J'ai pas le temps de vous parler, là, alléluia, là, 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 là. J'ai vu qu'il y avait le compteur. Oh, j'ai pas le temps. Récupérer la thune, pas le temps. Ça en fait que 2, c'est trop... Je suis pas assez rapide. Pas. Tu. Bon, je suis trop lent. Ok, c'est celui-là. Je suis tellement lent, je pense que c'est perdu. Moi je veux jouer les sorts. J'ai pas de sorts. Je vais retenter peut-être qu'en jouant que du bleu. Par contre je suis tellement dans la merde. Putain, ça saoule. On aurait pu faire un truc exceptionnel et je me suis fait défoncer comme un petit caca. Ouais, j'en ai que 9 sur 30. On n'a pas le temps qui reste. Je perds du temps à chaque fois, là. Oh, je vais pas le faire. Oh là là, mais ils arrivent un par un, c'est quoi ces trucs? Faites-la paraître douce par douce, je sais pas, mais faites quelque chose! Oh là là, c'est tellement perdu.
Oh, c'est gagné! C'est bon. Par contre, ça va là? Ça va de me bolosse comme ça là? Oh, je me fais bolosse. C'est trop grave. Il y a de la thune? Parce que j'en ai raté beaucoup. Oh! Vu. Ouais, d'accord. C'était pas... Ouais, c'est pas si ouf que ça. Oh, j'aime l'équipe de autoscore. Ouais, ça en sort, ça. Hein. Oh, il a tout esquivé. Bien joué à lui, il a tout esquivé. Eh bien du coup, j'ai un truc de cap et un sort. Ok. Un truc de cap, un truc de sort. J'arrive pas à savoir si cette attaque est bien ou pas. Du mal à savoir. Oh, l'attaque de mort! Ah non, je fonce dedans, je suis trop con. Non mais je vais mourir encore contre Pupkin. Ça va. J'ai failli mourir contre Pupkin. Hein. On en est là. Ouais, il n'y a qu'un seul sort. Et j'arrive même pas à savoir s'il est bien. Bon. C'est grave ce qui est en train de se passer. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien le lancer parce que lui, sinon, il esquive les gens. Ok. J'ai des sorts intéressants. Sorts intéressants, mais attention. Bon, par contre, je pense que malheureusement, j'aurais dû plutôt faire l'équipement. Je viens de voir ma thune en fait. Touché. Sérieux? Bon, là, je pense que malheureusement, on va pas aller très loin là. Ça me paraît compromis. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, il y a rien. C'est le décor.
C'est con, hein, parce que j'avais pris des risques là pour le début et c'est pas, ça paye pas. Hein. J'ai pris trop de dégâts. Oh mais non, même ça passe à travers. J'étais là, j'aurais pas dû le prendre. Ça te casse les noix. C'est trop grave. Bon, là, j'ai récupéré ma vie, mais on s'en fout. J'ai plus d'animal, j'ai plus rien. Lalala. J'aurais pas cette thune. Bon, j'ai récupéré toute, presque toute ma vie. Il va me manquer 10. Non, peut-être pas. Ah oh non, ça va. Ils ont été gentils, ils m'ont mis ce qu'il fallait. Ok, ça c'est quoi? Oh! C'est rare ça! C'est très très rare! Ça n'a pas marché. Merci pour le café. J'aurais dû attendre avant de le prendre. C'est bon. Ça va. Ça semblait catastrophique. Ça l'est moins que prévu. Balilou la 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 waouh 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 waouh. Qu'avons-nous? Alors, imprégnation saignement, ça fait quoi déjà le saignement? C'est comme le poison mais en saignement. Est-ce que ça fait plus de dégâts, moins de défense? Non, ça ajoute des dégâts bonus à mes attaques. Tenez 10%. De réduction en coût de mana. Ah oui, j'ai un truc qui permet d'annuler en plus les malus associés aux malédictions. Alors, on va tout relancer. En vrai, ça m'intéresse. Hein. C'est gratuit. Allez, hop là, pas de malédiction pour moi aujourd'hui. Merci à tous pour ce que ça va m'être utile. Je comprends pas pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça. Ouais, je crois que ça on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Merde, les cailloux! Les cailloux! Ok! Bon, bah du coup, selon la convention de l'ADER, maintenant on peut mourir, ça sera considéré comme l'ADER. Alors, est-ce que prendre des risques, ça aurait été utile? Eh bien, je ne sais pas.
Obtenez un emplacement, non. Obtenez... Ah putain, la défense, quoi. Ça, c'est pas mal, mais le problème... Le problème, c'est que il faudrait que j'en garde toujours un en réserve pour me retrouver... Enfin... Donc c'est... En vrai, je suis pas sûr que ce soit bien. J'ai raté un malus, donc on peut le prendre. L'explosion des boobaboom inflige des dégâts. Les invocapsés peuvent invoquer des ennemis plus puissants. Je pense qu'on va prendre les boobaboom. Parce que je pense pas qu'on ira de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Donc les boobaboom peuvent bien exploser. Je ne les verrai pas, je pense. Joue un jeu! Hop là, j'ai doublé ma mise, bien joué à moi. C'est quand même curieux, j'étais sûr que les gargouilles étaient ultra balèzes. D'où Maître Bradaspos finalement? Tiens donc, vous voilà intéressé par la cryptozoologie, monsieur Orville? Surprenant. J'ai participé à Ah non, mince, c'est Orville. J'ai participé à l'élaboration de la puits de pierre pour qu'elle soit exploitable dans l'entreprise. Donc heureusement que je m'y intéresse, monsieur Dumont. Monsieur Dumollard, surprenant tout de même pour une marmite junior, mais pas malvenu. Ok. Donc on a dit qu'on n'allait pas ici, on va aller là. La pollution industrielle, on adore ça. En vrai, j'ai pas l'impression de faire des gros dégâts par rapport à tout à l'heure. Oh, la run, elle est exceptionnelle avec ça. C'était trop bien. Vas-y, je prends un café, j'en ai pas besoin. Oh, il a tout esquivé! Bien joué à lui. Animal Prestige! L'autre, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est pour augmenter la vie, mais je suis pas sûr. Après, de la vie, on en a déjà récupéré pas mal sur ce début de run. On a pris des risques. On s'est demandé si ça allait payer. Ça a payé. Pas le tuer, il voulait pas mourir. Encore? Oh mais incroyable. Deux annules malédiction dans la même run. Pour vous dire que voilà le hasard des fois. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. Et là, deux dans la même run, incroyable. Zozo! Pourquoi je crie en disant zozo, moi? Hein? Pourquoi? Moi, j'ai compris un truc dans ce jeu, faut que je reste à distance. J'ai pas esquivé!
ça dégage, mais j'ai pas esquivé, j'aurais pu quand même esquiver. J'aurais pu esquiver. Alors attendez, il faut que je fasse. Voilà. Et là je peux le prendre. Parce qu'à chaque fois que je me fais avoir, je gagne du soin. Comme ça. Oh tiens. Oh bah ça alors. Je passerai à 160. Let's go. Moi je vous dis, c'est le seul moyen. Le seul moyen pour moi de gagner. C'est d'avoir 3 milliards de points de vie. Voilà, il n'y a pas d'autre façon pour moi de gagner. Café. Putain, mais on en a aussi beaucoup des cafés là dans cette run, c'est un truc de malade. Je vais pas me plaindre, mais j'avoue que parfois j'ai l'impression que bon, les runs elles sont pas à mon avantage hein. Shuriken! Shuriken, il fait pas vraiment de dégâts. Hein. On le revendra. Allez, 170 points de vie. Chose ici. Non. Nope. Oh, du Molant. Du Molant. Et puis après, on a rendez-vous au local technique. Je suis en train de confondre toutes mes runs. Est-ce que c'est celle où on a des trucs gratuits? Non! Le con. Est-ce que c'est celle où on a des trucs gratuits? Ou je confonds avec une autre? Oui, non, les premières améliorations d'armes de local sont quasiment gratuites. Oui, c'est ça. On s'est rentré dedans quand même avec lui. C'était rigolo. Je récupère, voilà. On dit merci. Qu'avons-nous? Les anima vous octroient un soin de 15% supplémentaire. Merci. Voilà. Ça, c'est bien. On va faire un truc sur le soin, puisque apparemment, il n'y a que ça qui fonctionne. Je vais être juste surpuissant. Et c'est très bien. Donc, quoi, ils disent quasiment gratuit. C'est quoi? C'est 1? Ah, c'est 5. Merci. Oh bah, y avait rien. Pour une fois, j'avais rien qui était augmenté, donc c'est très bien. Ça me coûte vraiment pas cher. Mais par contre, je peux pas aller plus loin. Mais j'ai tout déjà. Au moins... On fera un peu plus de dégâts, on a un petit peu plus de trucs. Voilà, les sorts infligent 5 dégâts bonus. Voilà, les corbeaux, ils infligent plus 5, bien joué. Voilà bon, je peux pas augmenter ça, malheureusement. Mais c'est très bien. Allons affronter Gudrun. Bon. Oh, j'aime trop cette musique. C'est passé à ça d'être une catastrophe avec ce maudit baril.
C'est l'occasion pour moi de mettre une dernière couche. C'est donc pour voir. J'ai essayé d'esquiver, mais on peut pas esquiver. Oh, je me le prends dans la gueule. Oh, je me le prends dans la gueule, c'est trop grave. Je vais pas assez vite. Oh non, il a esquivé l'attaque. Il est trop fort. Il est trop fort, il savait. Eh hey, bébé. Oh, bah ça a passé, il n'y a pas eu de texte. Je sais pas s'il y a eu un bug. Ok, on a 190. Qu'avons-nous? Ah ouais, mais que des trucs avec des... Obtenez régénération temporairement. Restaure les PV sur la durée, ouais, ouais. Non, mais on va prendre ça, hein. Meilleure esquive, hein. Rien à fiche, en plus, on regarde, attention. Perdez un PV toutes les 10 secondes où les sorts obtiennent 100% de coups de mana. Regardez, regardez, on prend ça et on annule. Oh. Je l'ai neutralisé, hein, on est d'accord. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est bon, j'ai plus le truc. Ça aurait été génial. Alors, quand on regarde ça... Non, on l'a pas, on la voit pas. On voit pas les malus. Retire la malédiction subie x2. C'est bon. On l'a retiré deux fois, c'est marqué. C'est marqué. Bon, au moins, on a réussi à passer Gudrun. Et ça, c'est bien. Bon, maintenant, il va falloir faire un peu plus de dégâts, quand même, hein. Tenez 50 PV, 5 de défense jusqu'à ce que vous éliminiez un Tanager. Bon, ok. Hein. Je joue. Oh. Bah bien joué. Hein. Ok, et qu'est-ce qu'on a du coup? Obtenez 3 anima. Oh. Ah, attendez. Je vais jouer celle-là. Et je prends. Il y a le temps qu'à faire. Ah, je peux pas le remplir. Et j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. C'était pour tenter, bien sûr. Qui a-t-on envie d'aller affronter maintenant? Max, il est où? J'aimerais bien vaincre Max. Mais je crois que Max... Max, 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 sans max. Ah, Max, il doit pas apparaître, hein, parce que je l'ai pas battu. Et ouais, il y en a deux, du coup. Ah, mais alors, attendez. Max, je l'ai jamais battu. Non... Perceval Gorx, Rage Sinistrus, Brad, Gudrun. Bull, c'est lequel? C'est les maladies physiques. Ah bah oui, c'est le cancer. Donc en fait, c'est... Ouais, bah voilà. Du coup, c'est bon. C'est département des addictions où je dois aller. Vous savez qu'avant qu'ils le disent que c'était le cancer, j'avais pas compris, je comprenais pas pourquoi on avait un crabe. Trop bête, hein, j'ai pas fait le lien. Il va vraiment falloir que j'augmente mes dégâts. Là, c'est terrible, mais on fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Hein.
Ah non, c'est la porte. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose. Ça, ça fait le taf, mais c'est pas suffisant. Ma faux, elle a beau être puissante. Bon, là, en plus, on va avoir 242 vies jusqu'à ce qu'on affronte le Tanager du Queen. Oh, mais ça esquive. Enfin, ça esquive. Ça l'évite. Les mecs sont tellement forts en esquive. J'ai tellement de thunes, par contre. Faudra que j'en fasse quelque chose. Hein. J'affronte des cigarettes, c'est terrible! J'ai cru que j'en avais déjà 3, c'est pour ça que je l'ai esquivé. Et j'en ai consommé une sans faire exprès. Est-ce que je me suis trompé de bouton encore? C'est terrible, je suis trop nul. Étage intrigant. En vrai, ouais, si. Si. Ah mais non, je confonds. Merde, c'est pas celui du tout. Ah, c'est pas celui du tout, je pense. Allez merde, c'est pas du tout ça. Vous faites pas toucher. Allez hop, là, super. Vous êtes trop nerveux. Eh bah bien joué à moi, super. Génial. Mais c'est dur leur truc. Je pensais que c'était un endroit où on pouvait récupérer un prismium. Et pas du tout. Terrible. Du coup j'ai perdu un étage. Le décor, l'ambiance, elle est horrible. J'avais oublié de le revendre. Dommage. Miam 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 miam. Qu'avons-nous ? Prélèvement, inflige 8 dégâts de bonus, c'est après une ruée, riposte, obtenez régénération rapidement. Ah, c'est après une attaque, élimination de fléau, vous octroie 40% de régénération de mana. Oh putain, elles sont nulles les attaques. Qu'est-ce que je vais prendre ? La ruée, c'est quoi déjà ? C'est quand on fonce vers un ennemi ? La ruée, je crois que la ruée, c'est ce qu'ils a, c'est comme ça qu'ils appellent leur, leur dash. Pourquoi pas, hein? Les vétérans se soignent lorsqu'ils contrent. D'accord. Allez, hop. Je m'en fous qu'ils se soignent. Je les tuerai. Donc c'est quand je fais ça. Hein. Et j'ai rien oublié ici. Non.
Tiens, on va y aller au Vita Mana pour voir. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, je sais plus ce qu'on y trouve en fait. Ils veulent absolument que je sois un vampire. En fait, je passe tellement peu dans ce département que je connais vraiment pas les ennemis. J'avais oublié qu'on croisait des cigarettes. À moins que ce soit pas des ennemis qu'on rencontre souvent, mais... Ah, donc on trouve ça, d'accord. Plein de thunes. La thune, quoi. La thune quoi? De la vie! OMG, de la vie! On est à 250. Bah là, on peut aller affronter Heisenberg. Say my name. Par contre, j'ai pas trop utilisé mon ulti sur celui-là. Il faudrait peut-être que je le fasse. Hein. Ah ouais, c'est celui-là. Ok. Je le déteste. Alors ça fait quoi ça? Ah c'est pas terrible. Ok, je me rends compte, je fais pas vraiment de dégâts. Ah non, j'aurais pas dû. Bon, on a tout. Oh, j'en trouve d'autres, bien sûr. Alors, trêve de 2 secondes, votre attaque lance une faucille ou 2 munitions supplémentaires. J'ai pas et des dégâts. Ah oui, j'ai pas, ouais, j'ai pas. Hein. Bah ça, hein, j'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix, là. Ça me rajoute encore un malus. Les naufrages tirent d'autres projectiles qui se divisent. Les sorts obtiennent... Oh non, vas-y, pas les sorts. Ouah, comme un ouragan. Oh bah on va prendre super cher en allant les voir eux. C'est bien. Faut que j'aille où? Pardon, mais faut que j'aille où? C'est quoi le mieux?
On y a déjà été. Hein. Mince, je suis perdu, ça y est. On y a déjà été, donc de toute façon, les améliorations ne sont plus gratuites. J'ai combien? 180, je pourrais faire qu'une seule amélioration. Est-ce qu'il y a un monde où... Où j'ai assez... Non, j'aurais pas assez non plus. Ah, je vais aller au magasin. Hein. Je crois pas que j'aurai assez. Hein. Mais au moins, on a une malédiction. Je peux vendre un truc aussi. Ça, c'est bien. On va vendre ça. Ah, oh, ça coûte que 20. Tout est à chier, putain! Oh là là! Bon, par contre, on régénérait du mana, ça permet, oui, ça permet de tirer plus souvent mes gros trucs, là. Tout est à chier, c'est fou! Bureau du fléau. Alors, est-ce qu'on va réussir à vaincre Max? J'ai un gros doute, hein. On n'est pas prêt, hein. Je n'ai jamais réussi à le vaincre. En même temps, il est trop stylé. 2, il est trop flippant. Heisenberg vous a bien surpris. Il est parfait. Parlons-en, oui. Un chimiste qui participe aux stratégies de production, c'est un bon exemple du manque de cohérence de ce département. Oh là là, je connais pas du tout ces... Je me suis trompé de touche. Oh là là. Oh là là. Je suis trop nul. Je suis trop nul, mais c'est pas possible. Je vais jamais le vaincre à cause de ça. Il a tellement de vie en plus, mais c'est un truc de malade. J'ai esquivé, c'est pas vrai. Ça va rien tirer, il me fait chier. Et putain, j'esquive. Il prend tellement pas de dégâts. Il vient de passer en seconde forme. Je vois pas comment on peut le vaincre, Max. C'est terrible. Il est beaucoup trop fort. Il a tellement de puissance par rapport au reste. C'est vraiment trop dur. Bon, ben voilà. Sur ce, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je continuerai prochainement, l'aventure de Avenide Death. On n'a pas réussi à aller plus loin que la dernière fois. On a quand même débloqué des choses. Je vais quand même vérifier si on a débloqué des nouvelles compétences. Eh bien... Pas du tout. Bon, du coup, YouTube, si jamais t'as apprécié ce let's play, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne, eh bien, n'hésite pas à aller plus loin, il y a un lien
dans la description un Linktree qui permet d'accéder à mon Ko-fi et mon Tipeee. Voilà, tu peux me soutenir à partir d'1€, ça fait toujours plaisir. Je te dis à très bientôt YouTube, des bisous, ciao ciao.